Coucou les beautés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue encore dans ma nouvelle vidéo de ma routine du matin. Là il est 6h30. La première des choses que je fais quand je me lève, je prie d'abord, je remercie mon Dieu. Ensuite, je passe dans la salle de bain, je brosse les dents, je nettoie mon visage avec un produit de Mary Kay, comme vous voyez. Après, je vais rincer mon visage. Ensuite, je vais nettoyer aussi avec du savon noir que j'achète à Walmart. Après que j'ai bien appliqué du savon noir dans mon visage, je passe directement dans la douche. Dès que j'ai fini de prendre la douche, je mets mon gel hydratant pour le visage. C'est vraiment pour le visage, hein, pour hydrater mon visage. Ensuite, je vais mettre ma vaseline dans mes lèvres. Là, c'est parti pour la journée. Donc, ce matin-là, je voulais juste mettre mon petit peignoir pour relaxer, hein. Là, dès que je suis en bas, je tire les rideaux pour laisser la lumière de l'extérieur entrer. Ensuite, j'ouvre le fenêtre. Mais ce matin-là, je n'ai pas ouvert le fenêtre parce qu'il pleuvait tellement fort que je ne pouvais pas le faire en fait. Mais plus tard dans la journée, je l'ai quand même ouvert. Les enfants étaient en haut maintenant, c'était leur tour de se préparer. Ils étaient avec papa. Moi, j'ai profité pour faire leur petit déj. Alors ici chez nous, c'est mon premier garçon, il a 10 ans, bientôt il aura 11 ans. C'est sa responsabilité de faire les collations pour l'école. Là, je vérifie toujours le matin, là je constate qu'il a oublié de mettre du jus. Donc je vérifie toujours pour voir si tout est correct en fait. Mais il le fait bien d'habitude, hein. Alors pour l'heure déjeuner, c'était du pain toast avec du beurre. Mais pour mon troisième garçon, c'était avec le beurre d'arachide. Lui, il n'aime pas le beurre. Hein. Ensuite, ils vont les manger avec les saucisses, avec des fruits à côté. Les garçons ont fini de brosser les dents et de prendre la douche. Là maintenant, c'est leur moment de prendre leur petit déj. Ensuite, ils vont se préparer pour l'école. Là, je prends un petit moment avec eux pour prier. Hein. Les amis, moi, j'essaie toujours d'avoir des moments de prière avec mes enfants. C'est très important. Surtout les matins comme ça, je recommande la journée. Hein. Ils vont à l'école. On n'est pas au contrôle de tout ce qui se passe à l'école. Mais si vous priez avec vos enfants, vous recommandez la journée, que Dieu puisse les protéger, leur donner l'intelligence et la sagesse. Tout ira bien. Là, je fais les chocolats chauds pour mon premier et mon deuxième garçon. Mon troisième garçon va prendre du jus d'orange. Il n'aime pas vraiment le chocolat chaud, hein, mais je le force deux fois, mais il n'aime pas ça. Mais il aime juste des petits yop, là, des mini et du fromage. Vraiment, dans tout ce qui est comme produit laitier, c'est ça qu'il aime. Leur petit déj du jour. J'aime que mes enfants mangent bien le matin. Parce que même s'ils ne mangent pas bien à l'école, parce que je sais à l'école des fois, hein, ils ne mangent pas bien. Ils retournent des fois avec les collations, avec le dîner. Parce qu'ils n'ont pas le temps de manger pendant leur
pause. Ils préfèrent des fois parler avec les amis qui les mangent. Ils ont des temps limités pour manger, mais des fois ils ne finissent pas, puis le temps est écoulé. Donc quand ils mangent bien le matin, je sais qu'ils seront bien à l'école. Alors, pour leur dîner, c'était prévu qu'ils amènent la pizza, mais j'avais complètement oublié de mettre au four. Là, le temps était déjà passé, ben j'ai pas eu le choix de le faire le sandwich. Ils étaient contents aussi. Alors, je vous montre un peu ce qui est dans leur boîte à dîner. Donc, obligatoire, ils doivent avoir des produits laitiers et des légumes. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait des produits laitiers, des légumes et des fruits dans leur boîte à dîner. C'est bon pour la santé, c'est important aussi. C'est vraiment l'école qui demande ça en fait. Aussi, j'ai mis toujours une petite bouteille de désinfectant dans leur sac. Mais ça, c'est, je l'accroche dans leur boîte à dîner. Mais le truc là que j'accroche là, c'est détaché. Donc là, je mets juste à l'intérieur de leur boîte à dîner. Mais tu peux changer, il y a d'autres masques? Non, les autres, c'est pour... Ok, attends. C'est le temps de partir. Bye tout le monde. Bye. Là, tout le monde est parti. Papa aussi. Pendant tout ce temps-là, le bébé dormait. Hein. Il n'avait pas bien dormi de la nuit. Il a la grippe. Son nez était vraiment bouché. Là, il dort encore. J'ai pas voulu le déranger. Là, je profite pour nettoyer un peu la table. Après leur petit déj, là, il y avait quand même des petits miettes. Là, il fallait que je nettoie la table. Ensuite, je vais faire la vaisselle. Heureusement que j'avais fait mon petit ménage du soir. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire ce matin-là. J'ai juste enlevé les assiettes que j'avais fait la nuit. Là, comme vous pouvez voir sur le comptoir, il y a la caméra, il y a mon bébé qui dort toujours. Là, moi, j'ai profité hein, pour faire vite la vaisselle. Parce que quand il va se réveiller, il faut que je donne à manger aussi. Moi aussi, il faut que je prenne ma petite tasse de thé. Thank you.
quand j'ai fini de faire la vaisselle, je nettoie toujours mon évier avec mon produit fait maison à base du vinaigre, des bicarbonates de soude et un peu d'eau. Pareil pour nettoyer mon comptoir, j'utilise les mêmes produits, ça nettoie très bien, ça désinfecte et ça enlève aussi les mauvaises odeurs. Pendant que je finissais de passer mon petit balai à mon bébé qui est réveillé. Alors, avant que je descende avec lui, je lui ai changé la couche, je lui ai enlevé le pyjama, je lui ai nettoyé le visage, je lui ai brossé les dents pour qu'il soit prêt pour la journée. Là maintenant, il va manger. 7, 8, 9, 10. Alors, moi les amis, des fois le matin, je n'ai pas faim, comme ce matin-là, je n'avais pas faim. Là, je me suis juste fait une petite tasse de thé vert et mon bébé va manger les Quakers. Malgré que je reste avec lui à la maison, je lui mets souvent des chaînes éducatives. Il apprend à compter, à lire aussi. Là, c'est notre moment à nous aussi de prendre quelque chose. Mon bébé va prendre son Quaker et moi, je vais boire mon thé. Comme il avait la grippe, il n'était pas bien. Là, pour manger ce matin-là, c'était vraiment compliqué. Il pleurait, il ne voulait pas. Moi, j'ai dansé un peu pour le motiver à manger. Oh, c'était quand même compliqué ce matin-là, en fait. Après ça, il a quand même mangé. J'étais contente là. Les amis, juste pour vous dire, cette routine n'est pas éternelle. Ça peut changer si on doit sortir les matins ou on a des rendez-vous, ça peut vraiment changer. Mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Dès que mon bébé finit de manger, je lui donne aussi son dessert, la salade de fruits. C'est le mélange de fruits en fait.
Alors les amis, c'est ici que ça se termine, cette vidéo de ma routine du matin avec 4 enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. Moi, je vous envoie des gros bisous. Portez-vous bien. Bye.